Thank you.
Bon, je vais poser une question plus intéressante. Jean Lédernagnier, vous avez l'air fatigué. Est-ce que vous faites la bande? Question déplacée. Mais c'est débile, ça, mon vieux. C'est complètement débile. Pourquoi? Mais parce que c'est pas une question à poser sur dans un interview littéraire. Oui, Fred Adron, Lédernagnier. Mais c'est pas un problème. Je pose des questions qui vous paraissent intéressantes. Est-ce que c'est tout? Moi, c'est des plus... D'abord, qui c'est qui touche aux éditions du Seuil? Aux éditions... Que c'est que cette histoire? C'est ridicule. Arrêtez. Et pas si facilement, car le prince prend occasion de la rébellion pour être moins réservé sur les moyens qui peuvent le faire s'appliquer. Il fourre du suspect et se fortifie dans les endroits les plus faibles. Aussi, pour faire perdre le Milanais à la France la première fois, il ne fallut que quelques mouvements de Ludovic sur ses frontières. Mais, pour le lever la seconde fois, il fallut liguer le monde entier contre elle, détruire ses armées et chasser les Français de l'Italie. Tout cela par les motifs que nous venons d'énoncer. Néanmoins, les Milanais étant bien premiers, ils se rejoignent sur le monde. Nous avons parlé de raisons générales qui devaient nous faire perdre la première fois. Il nous reste à examiner les motifs de la seconde. Et à parler des moyens qu'avait employé le roi de France ou tout autre prince qui se serait trouvé dans la même situation que lui pour pouvoir se maintenir mieux qu'il ne le fit. Je dis donc que les états conquis pourraient être réunis à ceux qui appartiennent depuis longtemps. Sont ou ne sont pas limitrophes de ces derniers et qu'ils ont ou n'ont pas la même langue. Dans le premier cas, rien ne fait que la façon. Test parmi les étrangers, celui qui voudrait attaquer ces états. On a dépouillé. Ces colonies coûtent peu, sont plus fidèles au prince, ne blessent qu'un petit nombre d'individus qui, dépouillés, disgracés, sont hors état de nuire, comme je l'ai déjà dit, car on ne doit pas perdre de vue qu'ils sont au bas de la ou se défaire d'eux. Ils peuvent se venger des offenses légères, non, des offenses graves. Ainsi, l'offense faite à un homme doit être telle que le prince n'est pas à redouter de vengeance.